en base. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live TV. Merci, nous sommes le vendredi 6 octobre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ce matin, nous sommes avec Moïse Hangi, militant de la Lucha. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Nous allons très bien au rythme de la nature. Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Oh, merci, ça fait longtemps Moïse que vous n'êtes pas passé chez nous. Pourtant nous sommes tellement disponibles, mais heureusement nous sommes déjà là ensemble. Merci beaucoup. On commence par les nouvelles de ton côté. Il y a quelles sont les nouvelles ce matin, les nouvelles que vous avez? C'est vraiment les affrontements qui ne cessent de se dérouler dans les territoires de Masisi. Déjà les 1-23. N'agir qu'à mettre mal à l'aise nos compatriotes résistants à Zalendo. Et ça, c'est vraiment très, très catastrophique ce que le 1-23 nous fait. Mais je suis très convaincu que nous n'allons pas les laisser faire cela. Mais les Zalendo tiennent fort. Tout à fait, en fait. On ne peut pas se permettre de conquérir nos villages à la merci des jeunes patriotes comme le cas de Ouazalendo. Voilà pourquoi est-ce qu'ils sont en train de riposter contre cette bavure des rebelles du 1-23, alors que effectivement on devait être dans le strict respect du cessez-le-feu tel que recommandé par les résolutions de Luanda et de Nairobi. Et les forces armées de la République démocratique du Congo respectent scrupuleusement effectivement les prescrits de ces résolutions. Malheureusement, les terroristes, les rebelles du 1-23, parrainés par M. Paul Kagame, envoyés même par le président Paul Kagame, ils sont en train de violer intentionnellement effectivement le cessez-le-feu, et nous pensons que la communauté internationale doit tirer toutes les leçons y afférentes. Surtout que d'ici là, déjà les parties prenantes effectivement, à ces hostilités vont se retrouver au niveau d'Addis Abeba, les quatre. Je crois que ça sera une grande occasion pour le gouvernement congolais de pouvoir soulever ces points-là, et la communauté internationale, j'ose croire qu'elle pourra tirer les conséquences qui en découlent. Depuis le week-end, en tout cas, d'intenses affrontements entre les Ouazalendo et l'M23 s'observent dans les territoires des Masisi. On signale d'une avancée significative, en tout cas, de ce jeune Ouazalendo qui met pression aux rebelles du M23, selon plusieurs sources dans la zone. Et d'ailleurs, nous apprenons jusqu'à hier soir que les groupes armés locaux Ouazalendo conservent leur contrôle et leurs zones qu'ils ont pris, notamment Touro, Kiloliwe, Kirumba, Busamba et Kibarizo. En tout cas, plusieurs zones récupérées déjà par les Ouazalendo. On n'a pas le choix quand les rebelles ne veulent pas effectivement respecter. C'est pourquoi ce qu'ils ont souscrit, quoi de plus simple et de plus normal que de ne pas les permettre de continuer avec leurs aventures. Tout ce que les Ouazalendo font, c'est vraiment la moindre des choses qui pouvaient être faites. Et si les 1-23 continuent comme ça, nous allons les déloger, même à Bunagana, et dans toutes ces zones-là, comme ça, ils vont retourner jusqu'au Rwanda. On leur a donné une petite chance de pouvoir effectivement se ressaisir, mais malheureusement, ils ne les veulent pas.
Voilà pourquoi est-ce que, si même le gouvernement aussi va continuer à s'incliner au-devant de la volonté de ces rebelles, les Oazalendu et d'autres compatriotes, nous là, on ne va pas vraiment les laisser faire. Donc moi, je félicite vivement ces sentiments patriotiques qui animent nos compatriotes Oazalendu et j'en appelle une fois de plus à Monsieur Paul Kagame et à tous les responsables du M23 à pouvoir être sérieux en fait. Mais Paul Kagame, c'est le président rwandais, à quoi lui, c'est le président Mais d'Afrique. c'est bien lui, effectivement, les grands maîtres, c'est bien lui, les chauffeurs de ces véhicules-là qui conduisent les M23. C'est les capitaines. Paul Kagame, c'est le capitaine, c'est le commandant des opérations du M23. Et plutôt que d'accepter, c'est pourquoi est-ce qu'il a souscrit, il essaie un peu encore de nous mettre mal à l'aise. Nous n'allons pas aussi céder face à ses caprices. Après la pression de jeunes Oazalendu, l'M23 s'est renforcé une nouvelle fois en hommes et en matériel militaire en provenance du couloir de Bouisa. Des militaires rwandais ont une nouvelle fois pénétré en territoire des Masisi pour soutenir leurs alliés, notamment sur l'axe Kibarizo, Busumba et Burungu-Kirumba, en passant par Bouisa dans les territoires de Rutshuru, déclare Thérèse Faure. Mitondeke, rapporté de la société civile dans les Masisi. Donc, nous comprenons qu'il y a encore le Rwanda et aurait envoyé ses militaires Comme toujours, pour renforcer les zones du M23. je, Comment comprendre cela? moi personnellement, je déplore aussi la paupérisation de nos frontières. C'est parmi l'un des plus grands défis qui profitent effectivement au Rwanda. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que nos services ne parviennent pas à contrôler efficacement nos frontières et nous observons du jour au lendemain des rebelles pénétrer le frontière jusqu'à arriver à Masisi et nous mettre mal à l'aise. Je crois qu'il faut, aux côtés de nos frontières, il faut encore renforcer les unités de l'armée pour permettre à ce que Donc ça fait quiconque jusqu'à là. pourra vouloir pénétrer illégalement notre frontière, on pourra les traquer. Évidemment, ce sont des rebelles qui aussi les font nuitamment et de manière en tout cas inappropriée, mais je crois que c'est aussi important pour nos services de renseignement, les responsables de la DGM, les militaires qui sont commis à la frontière, de pouvoir être vigilants. Vous avez, on a vu un communiqué de la communauté Tutsi qui parle de l'événement d'hier parce qu'il y a des maisons que nous apprendrons. On a vu des images qui ont été incendiées par les jeunes Oazalendu. Selon plusieurs sources, ces maisons appartiendraient à certaines personnes qui seraient de la communauté. Et Tutsi, selon d'ailleurs ces jeunes Oazalendu, disent que ces maisons servaient les M23 comme leur lieu de cachette. Maintenant, après avoir récupéré plusieurs zones comme Yamita, Bantouro, il y a eu des maisons qui ont été incendiées par les Oazalendu. Alors, dans ces communiqués, par exemple, communauté Tutsi dit ceci: nous, membres de la communauté Tutsi du Nord Kivu, assistons tous impuissamment à la énième exaction commise à notre endroit avec l'incendie de tous les villages d'Entouro, localité de Nyamitaba, groupement Bachali-Kaembe, chefferie de Bachali en territoire de Masisi. Les vidéos en circulation ainsi que les déclarations de certains leaders des groupes armés en faisant foi hier ce communiqué. Alors moi, j'ai toujours dit qu'il y a des messages propagandistes relayés par la plupart des fois nos amis, nos compatriotes et tout. Je suis minutieusement certaines plateformes en ligne. Je cite ici la page de Goma 24. Je suis ici Maisha RDC. Vous pouvez aussi les consulter sur Twitter et même sur Facebook. C'est vraiment déjà visiblement qui joue le jeu de l'ennemi. Jamais vous verrez un message rationnel sur leur page. Ce sont juste des personnes qui essaient un peu de se minimiser, qui essaient un peu de défendre la communauté
Tutsi et ils font toute la propagande possible. Je pense que c'est pour moi une occasion aussi d'en appeler aux services des étatiques concernés à pouvoir peut-être contrôler ce genre de pages. Je parle ici de Goma 24 et je parle aussi de Maïcha RDC. Pour les cas de figure, messieurs les journalistes, la guerre ne choisit pas. Si une maison d'un Tutsi est partie en fumée ou a été incendiée pendant les hostilités, mais c'est pour autant que la maison aussi de mon frère et de mon familier peut l'être. Moi-même, je suis de Massy, si je peux vous dire que la plupart de mes familiers, ils sont déjà à Goma. Pourquoi? Mais ils sont sortis de leur fief. Moi-même, je n'ai pas envie d'aller chez moi. C'est à Massy, messieurs les journalistes. Maintenant, le Tutsi, lui, qui veut démontrer à la communauté internationale qu'on pour dire que lui, c'est lui qui est marginalisé. Je crois que ça, c'est un faux débat. Et je crois que la communauté internationale ne devrait pas porter son attention sur ce genre de message. C'est effectivement la stratégie utilisée par Kagame. Il faut montrer à la communauté internationale qu'il y a déjà qui sont marginalisés, qu'il y a déjà qui sont discriminés. Comme ça, cet alibi va permettre à M. Paul Kagame de se taper la poitrine. Je crois que nous sommes un peuple hospitalier. Nous vivons très bien. Moi, j'ai pu vous dire qu'à Masisi, avant que Kagame ne commence ses aventures, toutes les communautés vivaient très bien. Nos amis Tutsi, ils ont leurs chèvres, ils ont leurs vaches, ils font très bien, effectivement, leurs activités sans souci. Mais maintenant, là, il y a certains Tutsi qui se sont transformés en marchepied de M23. Il y a certains Tutsi qui font effectivement les renseignements pour le compte du M23. Et vous voulez que, parce que vous êtes Tutsi, mais vous complétez contre notre pays, que nous puissions vous laisser. Je ne pense pas. Il faut vraiment, il faut qu'on soit du bon côté de l'histoire, qu'on soit qui que ce soit. Si vous jouez le jeu de l'ennemi, je crois que l'État congolais est dans ses missions régaliennes de vous traquer et de vous remettre sur le bon chemin. Donc ces messages-là, je crois qu'il faut les recevoir avec des lunettes aussi, comment je vais dire, des lunettes. D'un bon analyste, d'un quelqu'un qui vit au quotidien la situation, faute de quoi on risque de croire que c'est vrai alors que c'est vraiment des alibis. Messieurs les journalistes, je dis ici que tout le monde est victime de cette guerre. Ce n'est pas seulement une seule communauté. Mais la question que plusieurs Congolais se posent, c'est qu'on a vu les communiqués de cette communauté, peut-être qu'il y a certains qui condamnent, voilà, s'il faut dire comme ça. Mais les gens disent pourquoi seulement lorsqu'il y a quelque chose qui touche directement l'intérêt de la communauté, c'est à ce moment-là qu'on les voit dénoncer, sortir Bien évidemment. cachette. Mais on a vu par exemple à Goma, partout au Congo, où ces gens sont, nos frères, tout de suite, il faut dire comme ça, lorsqu'il y a des manifestations du genre pour dire non à l'agression rwandaise, pour dire non à la guerre, tout ça, Ils essaient un peu de ils ne s'écarter. sont pas souvent là. Comment On ne comprenez-vous cela? comprend pas. Alors qu'ils sont ici, ils bénéficient de tout comme nous Ils sont autres. chez eux. Effectivement, certains, ils sont ici. En fait, il faut faire la part des choses. Il faut interroger l'histoire pour comprendre la notion de nos identités. Moi, je suis parmi ceux-là qui estiment qu'il y a certains qui sont ici et effectivement qui bénéficient de tous les droits comme nous tous. Mais maintenant, quand ils commencent à brandir ce genre d'arguments, qu'on pour dire qu'ils sont marginalisés, qu'on pour dire qu'ils sont discriminés, je comprends effectivement que c'est la stratégie qui leur a été donné par leur big boss, et il s'appelle Monsieur Paul Kagame. Je crois qu'eux aussi devraient nous serrer les coudes et nous permettre effectivement de faire en sorte que cette guerre prenne fin. Mais par contre, la plupart de nos frères là-bas, ce sont eux qui servent de boucs émissaires en termes de renseignements au M23. Et ça, ce n'est plus à démontrer. Je crois qu'il faut apprendre à être sérieux. Ils ne doivent pas croire que nous ne sommes pas en train de vivre aussi la même situation. Par contre, c'est peut-être d'autres communautés qui sont plus victimes que la leur. Parce que maintenant, là, ils ont déjà la communauté internationale leur prête oreille, mais nous autres, on nous en est du jour au lendemain et il n'y a rien qui se passe. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un non-événement, c'est un faux débat. Et voilà. L'armée. Ou alors les M23 d'abord acquise l'armée d'attaquer
disons, il faut dire leur position, mais l'armée rejette en tout cas la Avec raison, est-ce que ces responsabilité. gens-là, s'ils sont sérieux, ils peuvent parvenir à démontrer une seule image où les forces armées ont attaqué ou ont tiré? Je ne pense pas. Ce qu'ils sont en train de les attaquer parfois, c'est quand ils essaient un peu de déborder, c'est maintenant les Oazalendu, les résistants Oazalendu qui les attaquent. Et puis, je peux vous dire ici, messieurs les journalistes, que même le gouvernement ne contrôle pas globalement. Ce sont des patriotes révoltés. Ce sont les gens qui ne sont pas contrôlables. Et les FARDC essaient un peu de contrôler là où ils peuvent le faire. Il y a des zones où se passent les affrontements, il faut préciser, l'armée n'est pas là. Et Ce n'est pas n'est des pas à forces mesure de armées. contrôler. Voilà pourquoi il faut comprendre ça. Et l'M23 ne doit pas prendre ça comme étant un argument pour dire que non, vous nous attaquez. Non, ce sont des jeunes révoltés contre votre barbarie et qui vous attaquent. Et puis ce n'est pas eux qui attaquent, c'est l'M23 qui commence à gêner le village de Chezen. Et puis ces jeunes, ils se mettent maintenant à l'œuvre pour que leur village ne puisse pas être aussi occupé. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais les Ouassarounes sont à combien finalement? Ils sont à combien? Les M23, si continuent avec leur bavure, ils les sauront. Hein. Je ne suis Mais pas ici peut-être pour déclarer parce que qu'ils sont au nombre de vous combien. faites partie, Les s'il faut Oazalem, parler. ça veut dire encore quoi, monsieur le joueur? S'il faut patriote, vous ne l'êtes pas? Peut-être que c'est effectivement les cadres conceptuels qui fait la confusion, mais je vous dis, vous êtes un patriote. Ce que nous faisons ici, c'est vraiment ça, c'est un signe de patriotisme. Et quelqu'un qui est dans son village et qui voit son village être attaqué chaque jour et qui se dit, non, écoutez, je dois mettre ma famille à l'abri, je dois mettre mon village à l'abri parce que je n'ai rien d'autre. Vous savez, au village, ce n'est pas comme ici en ville. Ici en ville, on peut avoir un salaire, on reçoit quelque chose. Mais au village, c'est les champs, messieurs les journalistes. Un jeune comme moi, comme vous là, au village, toute la grande richesse qu'il a, c'est son chat. C'est ses chats, c'est ses bêtes. Maintenant, quand il y a un ennemi qui vient et veut effectivement s'accaparer de ça veut dire que l'adrénaline monte. Mais si les journalistes, on n'a plus de quoi vivre. Voilà pourquoi les jeunes doivent tout mettre en œuvre pour que sa vie ne soit mise en danger. Donc, les Oazalendu, ce sont des patriotes. Effectivement, il y a aussi un autre débat par rapport à leur catégorisation, parce qu'il y en a qui sont partis déjà aux côtés de l'ennemi, qui servent les Rwandais, mais qui s'appellent Oazalendo. Il y en a qui le font très bien. J'ai même entendu le général de la 34e région militaire, le vaillant général Bruno Penso, qui a essayé un peu de fixer l'opinion par rapport à ça. Il a dit qu'il ne veut pas attendre les responsables de certains groupes armés s'appeler Oazalendo parce que c'est effectivement une dénomination qui n'est l'air pas reconnue. Donc voilà tout ça. Permettez que je revienne sur la question. Les jeunes qui soutiennent les fronts, sur toutes les lignes de front qu'on voit ouvert, Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, vous êtes à combien? On est à combien? Il y a ce qu'on appelle non, les secrets d'État. Les secrets d'État voudraient que nous ne puissions pas vous dire si nous avions combien d'éléments au nord qui vous. Jamais vous verrez les porte-parole de l'armée, Excellence Sylvain Ekenge. Encore moins les porte-parole, mon général Sylvain Ekenge. Jamais vous verrez Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, vous dire que nous avions autant de militaires au nord qui vous. Vous voyez déjà que c'est une communication qui risque de coûter cher à nos forces armées. Donc il y a des questions d'État C'est qu'on ça aussi n'expose que je pas. dis. Les Oazalendes, on ne connaît pas s'ils sont au nombre de combien. Est-ce que vous connaissez toute la population de Massissi? Même ceux qui donnent la démographie de nos territoires et de nos villes, je ne pense pas qu'ils soient en mesure de déterminer si à Massissi, il y a combien de personnes. Il y en a qui naissent aujourd'hui, il y en a qui meurent, et les restes. Les Oazalendu, ils sont le nombre de combien? Moïse ne sait pas. Vous n'êtes pas au courant. Mais je vous dis, Ils sont la ils sont légende. nombreux, et il ne faut pas laisser l'M23 continuer avec cette aventure. Légalistes que sont les FARDC, elles ne se permettront en aucun cas de violer les accords des chefs d'État instituant les cessez-le-feu comme les prétendants, les pyromanes, sapeurs-pompiers d'IM23-DIF, communiqué de l'armée congolaise. Tout à fait. Qui ajoute que les FARDC estiment que plutôt qu'il est temps
pour les terroristes du M23 RDF de répondre à la main tendue des chefs d'État de la sous-région en s'inscrivant dans la logique du pré-cantonnement, et cantonnement tel qu'est convenu à ces derniers à Luanda et à Nairobi, armée congolaise. Donc, ce sont communiqués. Tout est clair là-dessus, monsieur les journalistes. Les 1-23, ils doivent apprendre à être sérieux. Quand vous avez souscrit pour quelque chose, il faut respecter votre parole. Monsieur Paul Kagame, qui a pris part à pas mal d'assises, et même les responsables de ces groupes terroristes qui ont été reçus à Luanda, à Nairobi et ailleurs, dans des salons diplomatiques, ils ont pris des engagements, monsieur les journalistes. Mais pourquoi ils ne veulent pas respecter ça? C'est la même chose encore avant 2013, parce que, en fait, s'ils ne respectent pas ça, l'histoire risque de respecter. On va les attaquer jusqu'à leur dernier retranchement. On essaie un peu de les approcher à table pour, effectivement, essayer un peu de répondre tant soit peu à certaines de leurs revendications, mais ils se mettent à nous attaquer. Voilà pourquoi je pense que le gouvernement n'a fait que tirer la sonnette d'alarme. Merci Moïse. On va se quitter par un message aux forces armées de la RDC. Nous continuons à les soutenir, nous continuons effectivement à mobiliser la population pour toujours avoir effectivement être derrière ces militaires qui se battent jour et nuit pour que notre pays recouvre sa souveraineté nationale et internationale. Nous continuons effectivement à en appeler aux autorités, tant nationales que provinciales, à pouvoir toujours songer sur les sociales de nos militaires, leurs conditions de vie, en vue de permettre à la République de pouvoir effectivement renforcer son système de défense et ainsi gagner spécifiquement la guerre qui nous endeuille ici à l'Est. Il faut rappeler ici que si nous parvenons à mettre en déroute les terroristes du M23, les ADF et d'autres groupes armés, le pays va devoir. Les processus électoraux va se dérouler en toute quiétude. Nos compatriotes de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru, qui ne se sont pas fait enrôler, vont devoir l'être. Et ça sera que, effectivement, quelque chose qui va réjouir Merci. plus d'un Congolais. Voilà un peu Merci, donc, Maïa. Merci, Moïse. On coup se de chapeau quitte à nos par le numéro de militaires. téléphone. Plus 243 99 25 42 946. À la lucha. Merci, mesdames et messieurs. Je rappelle que Moïse, il est le combattant de la lucha militant. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye.